Bonjour tout le monde, donc nous allons continuer dans la lecture classique. Donc la dernière fois on a vu la lettre N, aujourd'hui nous allons voir la lettre U. Donc c'est des étapes courtes, donc chaque cours, j'essaye au maximum de minimiser et de rétrécir chaque cours afin que vous puissiez comprendre mieux. D'accord, donc c'est des étapes. Donc aujourd'hui aussi, c'est une autre étape. J'espère bien, à la fin de ces étapes, vous allez découvrir vous-même comment prononcer les lettres et les mots. D'accord. Donc, une rue. Une rue, donc évidemment, il y a le U. On se base par le U. Donc, une rue. La chaussée, donc c'est la chaussée où passent les voitures. Le trottoir pour les piétons. Des panneaux de signalisation. Des voitures garées. Des maisons. Des arbres. D'accord? Donc, nous, on se focalise sur le U, la prononciation de U. U, donc une rue, une rue. La chaussée où passent les voitures, sur le trottoir pour les piétons, des panneaux donc. Évidemment, chaque rue donc, a son trottoir, le passage piéton, les panneaux, les voitures, les maisons, d'accord, les arbres, les fleurs, tout ça, donc on les trouve dans une rue ou dans plusieurs rues ou dans chaque rue, d'accord. Ok, donc on continue. Donc le but aussi, c'est de voir combien de syllabes dans le mot, comment prononce-t-on chaque son, donc en ouvrant la bouche, en serrant les dents, voilà, donc, surtout le U, donc... La bouche, c'est vers l'avant. D'accord. Le U. Mais si vous prononcez le U vers l'arrière, donc vous allez le prononcer très mal. Et essayez-le. Donc, U, U, U. Unité, univers, usine, utile, usage, unir, union. Union. Je répète, U, U, U. Unité, univers, usine, utile, usage, unir, union. Donc, U. On ramène la bouche vers l'avant. C'est tout. Et vous allez prononcer convenablement. Sans difficulté. Mais si vous faites l'erreur de le prononcer vers l'arrière, donc automatiquement vous allez le prononcer vraiment, vraiment très mal. Donc essayez de ne pas faire cette erreur. D'accord? Donc il faut être capable de faire des exercices soi-même, seul. Donc I, N, U. I, N, U, N ou ni, N, I ou nu, uni, ni, nu, uni. D'accord? Donc il ne reste qu'à vous dire au revoir. Prochainement. Au revoir.